Salut les amis, c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Aujourd'hui on va partir sur les anniversaires de mes chars. Alors donc j'ai regardé et j'ai trois anniversaires à souhaiter, dont le LTP, un char de tier 3. Alors par contre dans les commentaires dites-moi, parce que je ne m'en souviens plus, hein, j'ai tellement de chars qu'au bout d'un moment j'en oublie certains. Il me semble que ce char là avait été offert par Wargaming, il me semble. Donc ça vous me le direz dans les commentaires. Ensuite, on partira pour fêter l'anniversaire du 047. Ça, c'est un char qui avait été mis en boutique. Hein. Alors, je ne sais plus trop quand, parce que voilà, ça date tellement. Hein. Au pire, pour ceux qui souhaiteraient voir un petit peu tous les chars qui ont été mis en vente depuis que le jeu est sorti, hein, je vous invite à aller voir la playlist que j'ai créée. Ça s'appelle la boutique de Wargaming. Donc, allez faire un tour et vous allez y revoir tous les chars qui ont été mis en boutique. Comme ça, si toutefois, il y aura un char qui vous intéressera, la prochaine vente, et ben, de toute façon, comme vous le savez, Bigou vous tient à l'affût dès qu'il y a une nouveauté qui arrive sur le jeu. Donc on partira avec ce 047 avec son magnifique camouflage légendaire. Il me fait penser un petit peu à Goldorak, son camouflage. Ou plutôt à Capitaine Flamme. Ouais, ça, Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Oui, bon, ok, d'accord. Seuls les nostalgies vont comprendre. Et on finira avec un tier 10, le premier tier 10 premium dans World of Tank Blitz. Alors ça, ça avait été un char qui avait été offert, pareil, par Wargaming, mais aléatoirement. Donc il y a eu d'ailleurs, il y avait une grosse polémique sur ce fameux M60, mais vraiment, il y a des joueurs qui n'avaient pas dépensé d'argent. Bon, bah moi, comme vous le savez, oui, j'en ai dépensé du fait que je possède tous les chars, mais je suis un collectionneur, donc oui. Mais il y en a d'autres que je connais qui n'ont pas dépensé ou très très peu d'argent et qui ont reçu ce fameux char. Donc ça, c'est vraiment un char qui avait été offert aléatoirement. Donc on se fera l'apothéose avec ce fameux M60. Alors là, on va partir avec ce fameux tier 3, le LTP. Alors bien sûr, on va croiser les doigts, comme vous savez, qui veut dire petit tiers, veut dire certainement nouveau joueur, donc peut-être que ça va faire du n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu, et nous partons à carrière. Ok, allez, on va essayer d'être digne de ce char, pour surtout lui faire son meilleur anniversaire possible. Bon déjà, j'ai quand même du bol, c'est que j'ai pas de TD à faire, donc ça c'est cool. Alors, comment se dispose le peloton? Oh, bah dis donc, est-ce qu'il y a beaucoup de BG? Allez, que le spectacle commence, c'est parti! Alors, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un petit char, donc ça, ça fait plaisir. Il passe un peu partout, il a une bonne maniabilité. Alors, ok, donc déjà, ça suit, c'est cool. Alors, c'est vrai qu'il est super... À mon avis, je sais pas combien il y avait d'équipage dans ce char-là, mais les mecs, ils devaient être écrasés là-dedans. Enfin, quoique, on se rend pas compte vraiment. C'est vrai qu'on a l'impression que les chars sont assez petits dans le jeu, mais à mon avis, quand je vois... Oh, bah, bim. Hop là. Voilà, alors ça, c'est un... Ok, merci de m'avoir rentré dedans. C'est très sympa à toi. Tiens, on va se faire... Oh oui, ça, c'est bon, ça. Tiens, on va essayer... Hop là, reste là. Voilà, on va reculer un petit peu. On va essayer de maintenir la traque. Comme ça, ça c'est cool. J'adore les joueurs qui commencent comme ça. Par contre, je fais gaffe au BT7 Art, qui à mon avis... Je sais pas pourquoi, il a l'intention de me regarder. Allez, on se le finit. Merci. Ok, on va essayer de se... reviens là. Ah, le saloupio. Ouais, il part, hein, il s'en va. Ok, on va essayer de se faire ce Panzer 2G. Oh là, par contre, attention. Là, on en a un qui va certainement m'en mettre une. Wouhouhou, qu'elle était belle. Ouais. Ah, raté. À mon tour. Raté. Voilà. Alors là, si on fait ça, on n'a pas fini. Par contre, ce qui est bien, c'est que toi, je sais que tu as une vitesse pas rapide du tout. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ouais, ça c'est bon ça. Et je crois que mes amis, ça va être un anniversaire, mais super bien. Bon, bah lui apparemment ne joue pas. Voilà. Donc on va se faire du pognon facile. D'accord. Alors par contre, dis-vous, il faudrait que tu les mettes, hein, si c'est pour les mettre à côté. Oh, bah je fais que la traque. En plus, c'est le dernier. Voilà. Ah, ça y est, il se réveille. Oh, joli. Oh. Magnifique celle-là. BT7, bien joué. Bon, alors on n'en aura eu qu'un. Par contre, je pense que là, on a fait quand même un super score, hein, pour un petit tiers. Hein.
On va regarder un petit peu. Alors, en plus, c'est un premium, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, c'est que des premiums qu'on a à faire pour aujourd'hui. Bon, un petit score de 640. Bon, ok, j'avoue, ils ont 2-0 dans leur team. Bon, bah, ça, c'est les petits tiers, hein, de toute façon. Là-dessus, ça sera comme ça. On va regarder tout ce qui est crédit, bien sûr, hors premium. Hein. On s'imagine qu'on n'a pas de compte premium pour donner un peu... De montrer un petit peu que c'est possible de se faire des crédits en positif hors premium. Et on est quand même, avec cet anniversaire, on est à 34 967. Et ça, ça fait vachement plaisir. On regarde un peu l'expérience. Bon, ça, l'expérience, hein, forcément, c'est du x4, x5. Du x2, x5, pardon. Du x5, x2. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas mal. Alors... Ensuite, on va maintenant partir. Donc là, on va taper du plus gros tiers. Hein. Maintenant, on va... Normalement, on a affaire à déjà des personnes qui ont une certaine connaissance dans le jeu. On va passer à un tiers 8. Alors, je vous garantis que je suis pas spécialement fan du 0,47. Je vous le cache pas. Mais bon, pour vous, allez, on va essayer de souhaiter l'anniversaire à ce 0,47 comme il se doit. Alors, déjà, quand on voit ça, c'est des plus gros, des IS-6, des Love, des T-50K, des T-28, des T-69, ça peut faire très mal, du Helsing, ça peut vraiment piquer, quoi. Alors, allez, on croise les doigts. En tout cas, c'est vrai qu'il est vraiment... Bon, il est original, on n'en voit pas beaucoup, assez sympa, hein. De toute façon, il est considéré comme un médium, hein, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est pas un médium. Ok, je prépare les munitions. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos collègues? Allez. C'est parti. Pardon, j'ai la musique dans la tête quand je vois ce char. Tu n'es pas de notre galaxie. Un bigou va te foutre une cacaillette. 0,47. Oh, ça arrive en plus. C'est pas mal, celle-là. Je viens avec mon équipe te mettre une belle praline. Tu vas la prendre dans tes dents. Et moi, je vais vite partir de là. Bon, je vous avoue, je vais pas la faire tout en musique parce que sinon, on n'a pas fini. Ok, alors, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Hop là. Oh, ça, c'est bien ça. Reste là. Ah, raté, dommage. Allez. Voilà. Donc pour l'instant, c'est... Oh, là, il est plutôt mal engagé, là. Oh, ça, c'est beau. Alors, attention, le Helsing qui arrive. Le Helsing qui est là. Faites gaffe, les gars. Je pense qu'il va vouloir mettre une cacahuète. Je ne peux pas l'atteindre, malheureusement. Il faudrait que je recule. Je vais essayer de reculer. Oh non, dommage! J'aurais pu, j'avais une fraction de seconde pour faire quelque chose, mais malheureusement, j'ai raté ma cible. Ok. Oula. Du gouf, tu recules, tu ne fais pas n'importe quoi. Par contre, c'est moi ou il y en avait un qui est parti? Non? Non, ils sont tous là. Hein. Ok, nous, ce qu'on va faire... Allez, je vais aller les prendre par derrière. Je vais aller les pousser un petit peu vers notre team. Et en même temps, on va profiter un petit peu, hein, parce que franchement, il a quand même une bonne maniabilité, autant en profiter. Et puis on a quand même des super teams, ça fait plaisir. Alors ce qui est dommage, c'est que là-bas, on a un mode 1 qui est, qui peut être un très très bon char. Malheureusement, s'il est mal utilisé, bah voilà ce que ça fait. Oh lolo. Ouais, là, ça va piquer pour toi, mon copain. Moi, c'est bien, ça va me faire de l'argent. Ah, je t'ai raté, t'as de la chance. Ouh, que t'as de la... Oh, attendez. Là, théoriquement... Non. Ok. Oh, j'ai tenté. Là, je me suis dit, c'est bon. Ok. Le T28, bon, bah, vous savez quoi. En plus, là, le T28, il s'est mis juste là. Hop là. Allez, salut, mon pote. Ouais, voilà. En plus, dans l'eau, avec un T28, en général, c'est pas ce qui est conseillé. Bon, ok, d'accord. T'aurais pu me le laisser, un glacial, hein. Allez, on va essayer. En tout cas, on n'aura pris aucun dégât. C'est impressionnant. Enfin, attendez. On va pas crier victoire trop vite. Oh non! Ah, ça y est. On va peut-être en prendre un. Oh non! Bah, même pas. Eh ben, super. Bon, bah, malheureusement, on n'en aura eu qu'un.
Un peu dommage quand même pour un anniversaire. Oh zut alors, on a gagné. Oh, je suis pas content. Non, je plaisante. Hein. Franchement, c'est de l'humour. Hein. On va regarder les scores. 1511 avec un kill, ce qui est très bien. En tout cas, encore une super team. Bon, c'est vrai que dans leur... Voilà, c'est ça le problème. 2-0 quand même dans leur team. C'est vrai que ça peut mettre à bout de nerfs, je peux comprendre. On va regarder un petit peu les crédits. Alors là, ce qui est bien, c'est que voilà, on a beaucoup de zéros. On regarde. Réparation 0, réapprovisionnement 0, camouflage 0, forcément. Comme vous le savez, je le répète. Que ça soit un camouflage unique ou légendaire, il ne vous dépensera aucun crédit. Il ne vous fera dépenser aucun crédit. Voilà, c'est dit, c'était clair et net. Donc, hors premium, avec ce fameux 0,47, on est quand même à 81 298. Donc, n'oubliez pas, hein, les crédits sont quand même doublés. C'est un x2, x5. Hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier, ou un x5, x2. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, c'était son anniversaire. Et maintenant, alors là... Théoriquement, en termes de joueurs, maintenant, nous avons des joueurs vraiment aguerris qui sont vraiment devenus, entre parenthèses, des professionnels. Parce que si je prends mon cas, je ne suis pas du tout professionnel. Mais normalement, là, avec un tiers 10, vous avez acquéri une certaine connaissance en jeu. Vous connaissez plus ou moins les certains tiers 10 qui vous allez avoir en face de vous. Et on va partir tout de suite avec ce fameux M60, voir un petit peu si on arrive à être à la réputation de son anniversaire. Bah oui, absolument. Forcément, comme vous le savez, moi je ne joue pas beaucoup en tier 10. D'ailleurs, le seul tier 10 qui est à 100%, c'est celui-ci. Parce que c'est un char premium, c'est tout. Mais encore, vous avez vu, je ne le joue pas beaucoup. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et là, on se retrouve à Rockfile. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a, hein? AFV 215. Ok, on a intérêt de faire gaffe quand même. Hein. Ouais. Alors, moi, je sais qu'en plus, ce tier 10 là, voilà, je ne joue pas beaucoup. Hein, de toute façon, comme la plupart des tiers 10, je ne vous le cache pas. Allez, en avant. C'est parti. Let's go. Alors, on se prépare les munitions, voilà. On va passer par là, il passera par là. Ok. Par contre, je vais laisser mon équipe s'avancer un petit peu. Voilà, même si c'est un... Oh, la vache, vite. Est-ce qu'on le voit ou pas? Est-ce que j'ai un... Non, j'ai rien... Ah, attendez, j'ai un petit point de... Je crois que j'ai dû le toucher ou ça a dû ricocher, pas sûr. Là, je vois juste le dessus de l'IS-7 et je peux rien faire. Oh là, attendez, je suis mal placé. Oh, oui, c'est bon ça. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, il me cherche. Oh oh, là par contre maintenant, très vite on se carapate, voilà, on est repéré, donc ne pas rester, voilà, on va essayer de disparaître de leur radar, et on va trouver une autre position tout de suite. Voilà, on va essayer de les prendre à revers, voilà, donc théoriquement moi j'ai disparu de leur radar, voilà, hein, vous avez tout à fait con, oula attention. Est-ce qu'il nous regarde ou pas? Oh, j'ai raté. Là, théoriquement, il peut pas m'en mettre une pour l'instant. J'ai le temps d'en mettre une et il m'a raté. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je ne peux pas t'en mettre une, malheureusement. Ok. Alors, par contre, je vais peut-être... Attendez. Allez, je vais essayer de venir vite en aide avec ce... Voilà, parce que là, on voit que les deux T-62, ils y vont à fond les ballons. Allez, on va venir les chatouiller. Salut, toi. En fait, non, j'ai pas trop envie. Est-ce que tu veux pas me regarder, au pire? Non. Allez, on se met de l'adrénaline. Tiens, on en a un qui est là-bas. Autant essayer de l'endommager au maximum. Voilà. Ouh, qu'il est mal barré, ce... Salut. Ah ouais, mais non, là, t'as... Reste là, toi. Ah, puis alors là, t'es mal barré, toi. T'as pas réparé au bon endroit. Oh non, on a raté ça. Bigouf, t'es un mauvais. Oh oh. Non, fais attention, le T-62A, s'il te plaît. Ne meurs pas. Moi, j'ai le droit de prendre une cacahuète. Voilà.
Moi, je peux prendre une cacahuète, c'est pas grave, mais pas toi. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Il me l'a mise de toute façon, donc le temps qu'il recharge, là, voilà, super. Eh, ça se passe super bien, dis donc, hein, les anniversaires, ça fait plaisir. Non, par contre, je pense qu'il va me coûter cher quand même, ce char. Hein. Allez, et là maintenant, boum! Oh, ça, c'était joli. Ça, c'était de toute beauté. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Anniversaire réussi? C'est parfait. On va regarder un petit peu tout ce qui est crédit. Alors, voilà, on va regarder. Eh, 3302 quand même avec un kill, ce qui est pas mal du tout. Bon, bah c'était très bien. En tout cas, les deux T60, enfin le T54 et le T62 a super bien joué. Hein. Bon, après, comme on dit, hein, voilà, hein, vous avez acquéri une expérience en jeu, théoriquement, avec les tiers 10. Là, ça devient vraiment intéressant de faire des parties avec les joueurs. Malgré, même si, voilà, le M60 est un char premium, si vous êtes débutant et que vous l'avez reçu, bon, bah voilà, hein, c'est comme un peu les tiers 8, hein, un premium, c'est pareil. On regarde tout de suite, donc là ça coûte un peu plus cher, sachant que j'ai quand même utilisé un consomma pour essayer d'aller plus vite, pour détruire, mettre de belles cacahuètes. On est à 30 000, donc je pense que sans cet anniversaire, on serait dans le rouge, je pense aussi. On regarde l'expérience, mais bon, on est quand même à 30 834, et ça, ça fait plaisir. Bon, bah les amis, voilà, tous mes anniversaires sont terminés, on regarde, oui, c'est ça, tous les anniversaires, je n'en ai plus. On reste sur ce fameux M60 qui est un très beau char, en tout cas, même si je ne le joue pas beaucoup, en tout cas, il est super beau, même s'il peut être fragile, hein, il y en a certains qui le détestent. Moi, j'aime bien en termes esthétiques, je parle bien, après, tout tier 10, voilà, c'est les points forts, les points faibles, vous le savez. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo d'anniversaire vous aura plu, mes amis, comme j'aurais pris un vrai plaisir à vous la faire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle distribution de cacahuètes en veux-tu en voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !